Est-ce là ton pays, Tom? Ces tours magnifiques, toutes ces lumières. Combien d'années vous a-t-il fallu pour bâtir cette ville? On apprend à l'école que cela s'est fait en 6 jours. En 6 jours, extraordinaire. Les singes de ton pays doivent être fiers d'avoir bâti une cité plus belle que partout ailleurs. Quelle merveille! Ailleurs? Je crois que pour les Nuko, il n'y a pas d'ailleurs. Il n'y a que cette merveille, comme tu dis. Il n'y en a pas d'autre. Les Lanko aussi pensaient être seuls au monde. Mais le soir, depuis ma chambre, je voyais la mer devenir rouge, comme de la braise. Était-ce le soleil qui lançait quelques lueurs d'adieu? Non. Il y avait autre chose. Il y avait un autre monde. Toute la nuit, dans une sorte de fièvre, je dessinais des machines pour franchir la mer ou pour traverser le ciel. Le sol de ma chambre se couvrait de rêves de papier. Hélas, au matin, quand la brume recouvrait tout cela, je redescendais sur terre. Car je savais que mon peuple ne me suivrait pas. Pourquoi? Ils avaient peur? Non, mais ils sont paresseux. Ce sont des philosophes. Ils me disaient, à quoi bon, Seigneur? On est bien ici. Et lorsque tu seras de l'autre côté, où auras-tu envie d'aller? Dans un autre monde encore? C'est quoi un philosophe? Quelqu'un qui ne fait rien, mais qui a réponse à tout. Ils ont bien raison, tes philosophes. Pourquoi 2 mondes et pas 3 ou 4? Tu as raison, gamin. Je crois que nous allons nous entendre. Mais pour le moment, ton monde me suffit. Il a l'air en tout point admirable et j'ai hâte de le visiter.